Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, pour moi, vous présenter deux articles que j'ai eu chez Amazon. Voilà. Alors, le premier article, je vais vous montrer plus en détail après, mais je vous le présente tout de suite. Voilà. Donc, ce sont des crayons de couleur Castel Art Supply. Vous allez dire que je les ai déjà. Oui. Mais là, ils sont dans une trousse. Je vous présente ça tout de suite après. Le deuxième article, c'est ceci. Alors, c'est un bloc de papier. Alors, c'est du mix média multitechnique A4. Donc dedans, il y a 40 feuilles, 21 sur 29, 7. Ce sont des feuilles de 250 grammes. Donc ce sont des feuilles blanches. Voilà. Vous voyez. Et elles sont cartonnées. Et ces feuilles passent à l'imprimante. Voilà. Donc pourquoi je vous présente ça c'est... pour quand vous avez des coloriages à imprimer. Voilà. Il arrive que des fois, on peut acheter des coloriages à l'unité, par exemple sur Etsy, voilà, par exemple. Et il faut bien qu'on les imprime sur quelque chose. Et il vaut mieux les imprimer sur du bon papier. Donc ça, c'est impeccable, que vous fassiez de l'aquarelle, que vous fassiez du feutre, que vous fassiez de la peinture, que vous fassiez du crayon de couleur. C'est pour ça que ça s'appelle multitechnique. Ça acceptera toutes les techniques de coloriage. J'ai essayé aujourd'hui de le passer à l'imprimante. C'est passé nickel. Alors, est-ce que je l'ai sous la main? Vous allez voir que je ne l'ai pas sous la main. Si. Voilà, toi. Alors, je l'ai passé à l'imprimante. Vous voyez, il passe nickel. Ça, c'est le coloriage défi que l'on a à faire cette quinzaine sur mon groupe de coloriage. Donc, ça passe nickel chrome, il n'y a aucun souci. Malgré que moi, mon imprimante est très... Elle fait ce qu'elle veut. Là, le papier est passé sans problème. Donc, je vous conseille ce papier. Il n'est pas très cher, hein. C'est dans les 10 euros pour 40 feuilles. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais c'est vraiment du papier super. C'est du papier lisse, donc vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez dessus. Comme je vous dis, du feutre, de l'aquarelle, du crayon, du stylographe. Il marque du feutre, de l'encre de Chine, de la gouache, de l'acrylique. Ça résiste au grattage, ça supporte plusieurs couches. Voilà, etc, etc, etc. Oui, donc c'est un pH neutre, c'est un papier sans acide, donc ça se conserve parfaitement dans le temps. Donc les couleurs que vous allez mettre dessus vont se conserver. Je lis en même temps la fiche technique, c'est pour ça. Et c'est une certification PEFC, voilà, donc pour les personnes qui, enfin, on est un peu toutes comme ça maintenant, on fait attention à ce qu'on achète. Donc là, c'est un produit garanti, qui garantit une gestion durable des forêts dans le respect de la biodiversité et des ressources naturelles. Clairefontaine protège et entretient des centaines d'hectares de forêts dans les Vosges où la société est implantée, voilà. La Fontaine, c'est une marque française. Moi, j'adore Claire Fontaine. Déjà, quand j'étais petite, j'ai... Fifi, non.
Désolée. Quand j'étais petite, je sais que tous mes cahiers d'école, c'était du Clairefontaine. Et j'adorais ça. Donc, et là, vous pouvez l'en prendre les yeux fermés. Je vous conseille. Il n'y aura aucun souci. Voilà. Alors, maintenant, donc je vous mets en barre d'infos le lien pour retrouver ce bloc de papier. Alors, ici, alors, j'ai pas sorti le... Là, voilà. Hop. Donc, comme je vous ai dit, j'ai acheté la trousse de crayon Castellart. Ce pli, alors c'est les 120. Là, il marque Castellart. Et par contre, la boîte, c'est marqué Castellart Supli. Donc, est-ce qu'il y a une différence? Je ne sais pas. On verra. Là, alors, je vais enlever le petit carton. Bon, là, c'est marqué en anglais, donc ça ne me servira pas à grand-chose. Donc, voilà la trousse. Alors, il y a des petits papiers dedans. Voilà. Et je sais que dans un des petits papiers, il y avait... Ça sent le bois. Voilà. Il y avait le nuancier. Donc, le nuancier va me servir, là, justement, pour regarder si les couleurs correspondent avec la boîte. On va voir ça. Alors, le numéro 1. Et ils sont rangés dans l'ordre. Alors, le numéro 1, là-dessus, c'est où? Le numéro 1, là, voilà. Ah, ben, moi, j'ai pas le nom. Alors, attendez. Donc là, ah bah oui, il y a une différence, enfin une différence. Alors, je ne sais pas si c'est une différence dans les couleurs. Je vais vous baisser le téléphone. Alors voilà, ici on a la trousse. Donc avec les 120 crayons, hop. Donc là ils sont classés par numéro, donc c'est bien parce que moi j'aime bien que ce soit classé par numéro, du coup j'aurais pas besoin de les classer moi-même, ils sont déjà faits. Ici dans ma boîte, moi je les ai déjà classés par numéro depuis un long moment. Vous voyez que j'en avais qui commençaient à être usés. c'était une des raisons pour laquelle j'ai dit ben, au lieu de racheter les crayons un par un, je ne sais même pas si on pouvait en trouver, mais et comme je voulais une trousse, j'ai dit ben, je vais prendre le lot avec la trousse. Par contre, petite différence. Alors, le 1 et le 1. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors, je vais essayer de... Hop, hop, hop. Là, déjà, le jaune du bois, et ici, c'est un tout petit peu, un petit peu plus flashy, on va dire. Et la différence, alors ça, c'est l'ancien, la boîte. Voilà, j'ai le 001. Là, je vais rapprocher un peu. Alors, j'ai le 001 dessus, mais je n'ai pas de nom de couleur. Là, j'ai juste Castellart Supli, Soft Série,
001. Donc ça, c'est la boîte. Et pour la trousse, j'ai Castellart. Par contre, voyez, alors voilà, Castellart Soft Touch. Alors que ici, c'est Soft Série. J'ai 001 et j'ai le nom alors, de la couleur, donc Lemon Yellow Light. Alors du coup, je pense que c'est pas les mêmes. Du coup, je pense que c'est pas les mêmes crayons. Il faut que je regarde. Alors, comme là, il y a les... Ça, c'est quoi? Non, ça, c'est pour montrer, pour colorier. Là, il y a les différentes... Alors... Là, il parle de Soft Touch Castellart, donc sans marquer Supply. Ou alors, est-ce qu'on ne marque plus Supply maintenant? Puisque moi, c'est une boîte ancienne. Puisque moi, maintenant, la boîte, vous voyez, c'est des... C'était un des tours, comme ça. Et c'est bien les 120 premium. Et ici, c'est une marque Castellart. Alors, sur le, je vais regarder sur le site. Parce que du coup, j'ai un doute. Est-ce que c'est les mêmes? Sur Amazon, il marque bien Castellart Supply. Oui, donc alors, ce serait quand même les mêmes. Bon, donc ce serait normalement les mêmes. Oui, mais donc c'est la nouvelle série. Alors là, ils ont juste marqué les noms des couleurs. Il va falloir que je vois en faisant le nuancier. Je vais voir ici en faisant une petite. Alors, je crois que j'ai un petit brouillon là en dessous. On va prendre une petite couleur au hasard. Bon, pas le jaune parce que ça va être. Vous n'allez pas bien voir. Là, je vais prendre le 15. Là, je dois avoir le 15 ici. Voilà. Alors, on va voir déjà la différence. Je suis désolée. En plus, on est le soir, donc... Voilà. Vous verrez peut-être mieux là. Vous voyez, il y a une petite chouïa de différence sur le crayon. Donc ça, c'est le nouveau. Et ils disent que ça s'appelle Red Ocre. Voilà. Alors, ça, c'est l'ancien. Voilà. Et le nouveau. Il y a un chouïa de nuance. Alors, je vais essayer de vous montrer. Voilà, vous voyez, il y a une petite nuance différente. Alors ici, c'est le nouveau dans la trousse. Et ça, c'est dans la boîte en métal. Donc je crois que je vais devoir me faire quand même deux nuanciers. Chouette. On va essayer avec un autre pour voir. Qu'est-ce que je prendrais bien? Un rose. Donc là, un purple light.
Alors, attendez, j'essaye de vous montrer au mieux. Purple Light, le numéro 30. Alors, moi, le 30 ici, je l'ai où? Là. Alors, pareil, il y a une petite différence, voyez, au niveau de la couleur du bois. Là, c'est le nouveau. Là, c'est l'ancien. Donc, alors, on va faire l'ancien d'abord. Et maintenant, on va faire le nouveau. Le nouveau me paraît plus grand. Ouais. Il est plus grand. Alors, je vous montre. Vous voyez? Il n'y a pas beaucoup, hein, mais... Donc celui-là, c'est celui de la pochette. Et là, c'est celui de la boîte en métal. Et on sent que c'est plus gras ici. Donc voilà. Donc, je vais devoir quand même faire deux nuanciers puisqu'il y a quand même un léger... une légère différence, mais bon, voilà. Donc ceux-là, je les avais achetés dans la boîte en métal, je crois que je les avais achetés en 2019. Et bon, et ceux-là, bah, je viens de les acheter, hein, voilà. Donc, je vous les remontre. Donc ceux-ci sont un peu plus gras. C'est pas pour me déplaire, hein, bien au contraire. J'aime bien que les crayons soient un peu gras. Donc là, quand vous les recevez, moi, ils étaient déjà classés par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et moi, ça me... Tant mieux, j'aurais pas à les classer. Et là, je vous dis, je l'ai pris parce qu'il était en pochette. Et j'en ai marre d'avoir mes crayons en boîte. C'est galère. Donc un petit peu un petit peu à la fois, pardon. Je vais acheter des pochettes. Et je suis contente. Je vais avoir un grand crayon noir. Je vais essayer de vous montrer mon crayon noir. Alors, le voilà. Voilà mon crayon noir. Voilà ce qu'il en reste. À côté de... Vous voyez? J'use beaucoup le noir. Du coup, je disais quelque chose, je m'en rappelle plus. Oui, je vous disais, bon, moi, ça ne me dérange pas qu'il soit un peu plus grand. Donc, je vais regarder s'ils disent quelque chose sur ces crayons. Non, il parle en anglais dessus, donc ça va être compliqué, hein, pour moi. Voyez maintenant, la boîte en métal est comme ceci. Maintenant, c'est un château. Voilà, c'est comme ça maintenant, la boîte en métal. Donc moi, j'ai encore le modèle avant, avec les tours. Donc après, ils ont donc... ça, c'est la boîte de 72. Ça, c'est les crayons aquarelles. Là, ça doit être une trousse aussi. Oui, c'est une trousse. Le 72. Là aussi, c'est une trousse. Mais il y en a 40. J'essaie de traduire un petit peu. Là, c'est des aquarelles aussi, watercolor. Ah non, c'est en tube. Donc, c'est des aquarelles en tube, là. La peinture à l'huile, tube en tube,
la peinture acrylique en tube. Peinture acrylique en tube, mais il n'y en a que 12. Là, il y en a 12. Ah, 12, mais en 12 millilitres. Et là, c'est par 12, mais en 75 millilitres, les peintures acryliques. Et là, il y a encore des acryliques, 22 millilitres, mais il y en a 48. Voilà. Hop. Pourquoi mon téléphone ne veut plus... Ah, il y a peut-être... Attendez. Il y a un petit problème, je crois. Ça doit être la batterie. Ne m'abandonnez pas. Ne partez pas. Je vous remets du jus. Je crois que c'est ça. Eh oui, vous n'aviez plus de jus. Ça y est, je vous ai remis du jus dans les fesses du téléphone. Là, ouais, là, après, c'est expliqué en anglais. Donc, voilà. Bon, je cherche des explications pour cette trousse, mais je n'en vois pas. Donc, c'est des crayons artistes, hein, bien sûr. Bon, là, ils expliquent... pour faire un bateau... Mais et là pareil, il remontre. Non, mais il n'y a pas d'autre explication. Voilà, excusez-moi. Cherchez, mais je n'en vois pas. Donc bon, c'est des crayons quand même qui vont se mélanger facilement. Et là, du coup, ils vont peut-être se mélanger encore un peu mieux puisque la mine est un peu plus grasse que les anciennes boîtes. Donc, je vous en reparlerai. Donc, voilà. Bon, je suis contente de vous avoir présenté quand même cette trousse, d'avoir fait la différence entre la boîte d'avant et cette trousse de maintenant. Donc, la boîte en métal existe toujours, hein, bien sûr, mais vous aurez... moi, j'ai l'ancien modèle. Hein, donc, l'ancien modèle. Et donc, si vous commandez maintenant la boîte en métal, vous aurez le nouveau modèle, celle avec le château dessus. Et donc, je ne sais pas, du coup, là, celle avec le château, si... je vais regarder. Qu'est-ce qui marque? Il ne marque plus Supli, non? Il ne marque plus Supli sur la boîte. C'est ça qui... Il ne marque plus que Castellart. Voilà. Et la boutique, c'est la boutique qui s'appelle Castellart Supli, mais sur les boîtes, il ne marque, il marque que Castellart. Voilà, bon, c'est pas un grand souci. Hein. Donc voilà, je vous remonte les crayons. Donc on a quand même une belle gamme donc de jaune, là, des bleus, des verts. Des marrons, quelques marrons, là des roses j'en avais encore ici, hein. Là j'en ai encore là, là j'ai encore des bleus, des verts encore, des marrons ici, et des gris, le gris j'ai pas beaucoup, enfin si il y en a encore là des gris, est-ce que j'en ai encore ailleurs, non, voilà, mais bon c'est déjà une belle gamme de crayons, avec lesquels je colore régulièrement. Voilà. Et donc, du coup, je suis contente que ce soit en trousse. Donc, voilà. On va essayer de ne pas faire trop fantomas avec ma lampe. Mais c'est vrai que le soir, comme ça, c'est embêtant. Et puis, j'ai tout qui chauffe, là. Écoutez, j'espère que de vous avoir montré donc cette petite trousse vous a intéressé. Du coup, vous avez vu, on a fait la différence entre les anciens crayons et les nouveaux. Donc, il y a un tout petit écart de pigmentation, mais vraiment, bon, c'est très léger.
Mais bon, je vais quand même faire du coup deux nuanciers. Je n'avais pas encore fait le nuancier pour pour ma boîte, mon ancienne boîte de Castel Art. Donc je vais la faire. Là, j'ai déjà fait donc les nuanciers. Je vous rappelle, hein, je le faisais dans celui-là. Hein. Donc là, j'ai déjà commencé hein, de faire les nuanciers. Là, j'ai déjà fait commencé les bruits de funeur. Donc là, bruit de funeur, pour l'instant, j'ai une, deux, trois, il y aura quatre pages. Et après, j'ai fait ben, des petits... Mais là, bon, il n'y a pas de numéro, donc ça m'embête, mais je l'ai fait quand même. Les feutres Dot Twin Marker, des crayons aquarelles que j'avais eu à Lidl. Les polycolores. Voilà, les polycolores, c'est cela. Hein. Les aquamarqueurs. Donc là, j'ai plusieurs pages. Et ça, je vous avais expliqué, les aquamarqueurs, c'est pareil, il y avait une différence entre les anciens et les nouveaux. Donc là, j'ai mélangé, mais j'ai fait des petites étoiles avec les anciens et les nouveaux. Rappelez, comme ça, ici, quand il y avait une étoile, c'était un ancien modèle. Voilà. Mais donc là, je vais faire maintenant les Castel Art et je ferai donc deux nuanciers. Mais c'est pas très, très grave. Voilà. Ça me donnera juste le double de boulot, mais c'est pas grave. Donc voilà ma petite présentation de mes nouveaux crayons de couleur Castel Art, donc en pochette. Je vous mets en barre d'infos le lien pour les retrouver. Je vous mets également en barre d'infos le lien pour retrouver le bloc de papier pour imprimer vos coloriages. Et nous, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.